suis votre femme. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans votre émission Éducation et Développement, votre émission avec votre servante Dédimou Jinga pour vous informer, pour vous expliquer comment éduquer les jeunes et à l'avenir pour devenir pour un avenir meilleur ou soit pour le développement de la RDC. Sans plus tarder, professeur Simikilosho, ça c'est la troisième fois que recevoir professeur Simikilosho pour la colobia le ming to sala ma trolobla femme parce que toujours à moi de la femme. Professeur Simikilosho, bonjour. Bonjour. Professeur Simikilosho, avant tout kota na maman Likambo, toujours à moi de Max. Et quelques mots na maman bandikunyo sa basi à l'occasion il y a mois de Max. Bon, tout c'est pile mingi pour cause la maman na ma maman a vu ça. Parce que quand on parle de la femme, nous voyons déjà moi je vois d'abord ma mère, je vois mon épouse, je vois ma fille, je vois ma voisine, je vois toutes les amies et toutes les femmes en général. Donc, ce sont des êtres chers, ce sont nos mères, ce sont nos femmes, et puis des personnes généreuses à l'égard des hommes, quoi. C'est ça une image générale de la femme. Donc, une femme, c'est une combattante, une femme, c'est une compagne de la vie, une personne qui accompagne l'homme dans ses joies, dans ses malheurs, dans ses épreuves. Et c'est elle-même qui met au monde l'homme. Donc, une femme, c'est un personnage très important. Une femme est à côté de l'homme. Et je crois que l'homme vit difficilement si il n'est pas à côté d'une femme. Professeur Simikilosho, biologie de ma femme, mais je suis là pour que je suis là pour que je suis là pour que je suis là. Mais quand on parle de développement, on parle toujours des hommes et des femmes. Mais comment va l'obin à Dajouane et l'obin à Lingala qui basse va tonga en Bokate? Est-ce que le développement va vite tonga Congo? Basse pas au tonga sur le bas, c'est déjà réputation à mon avis. Le bambin à Lingala, c'est-à-dire langue nabiso et que le Congo démocratique basse pas au tonga en Bokate. Et c'est sûr que à Dajouane, ils ont la place dans la RDC? C'est pas un bon endroit. Ils ont déjà bien été. Ils ont déjà beaucoup la discrimination de la femme. Et ce que le dit, c'est-à-dire, déjà, il peine à bissoir. Bon, tu viens à Kabakolo, ma belle, ma pygmée. Bon, Bazala qui va couler ma belle à Congo. Ce qui est peine à Bango, Bassine va tomber à Kandako. Bassine va tomber à Kokekuna. Mon bal à qui na chasse. Ou bien à Bilanga. Tant qu'à Kei, tant qu'à Zong et à Kouti, moi, c'est ça, ton déjà. Alors, c'est pas bien, c'est discriminatoire. On a basi, les femmes constituent une force, un bon homme, une façon, un homme bon réussi quand il est accompagné d'une femme. Une action humaine, une action d'un homme est visible ou bien très efficace quand cette action-là est accompagnée par les efforts féminins. Donc, une femme est très importante. Une femme peut construire et construit. Une femme peut développer un pays et développe parce que nous avons des femmes présidentes, nous avons des femmes, nous avons des reines, nous avons des femmes à côté des présidents, des femmes aujourd'hui dans les églises, dans les différentes confessions. L'action de la femme est signifiante et bien connue. Donc, adage wana, il faut revoir un mot. Peut-être que Zala qui va adage à Batoué à Kala, bon, va l'inga quitter, moi, si Zala n'a parole, n'a un mot à dire, mais n'a mis colo à Bissou, wana, ils en ont plasté, ils ont discriminatoire. Et puis, ils rabattent Bassi, quitter si Bassi, et puis, d'une façon gratuite. Si, si. Oui. Est-ce que vous avez changé votre esprit de mort? Vous avez esprit de vie, vous avez esprit de vie,
slogan wana esprit de mort aussi. Est-ce que vous pensez que les basi bazo tonga mboka na place que basi batonga mboka te comme abino to mayele bo vanda la mesa ko kabuya makanisi ko luka maye ko longola ko détruire définitivement adage wenzo détruire wenzo déniguer wenzo kitisa ndo to ba facilement don na pamba ka bo moi si ba kitisa non adage wana au moins adage zalaka toujours na vérité na contre vérité si si tout comme mes ans abadage moussous au moins balobi boy bon au moins ce sont des phrases populaires donc moi c'est ça mon tuté hein comme ça la confiance dans ma cité non collier dans moi collier dans d'autres ce sont des paroles des individus qu'on ne peut pas contredire qu'on ne peut pas non on peut contredire mais on n'est pas là pour l'effacer des mémoires des gens parce que c'est déjà dans leur mémoire, les gens discutent déjà au sujet de ça. Certaines personnes, et les naïfs peuvent croire, mais Moutoua Maël a dit Mangote. Hein? A dit Mangote. Tout comme Tosana Badage, on voit que moi, c'est des Mboka. Hein? Moi, c'est des Ndako. Tosana Badage, n'a mis nos coronavirus, on peut le voir. Okay? Moi, si. Alingala ou Alias. La Bible, écoute, la Bible, oui. Moi, si à Maël, à Tongaka, Ndako, naye. Donc, Bible a pesé réponse. Na moi, si à Maëlle, à Tongaka, Ndako. Alors, moi, si à Bozoba, yé moko. Ma bokone à Bébouka, Kalani. D'accord. Alors, ce qui Bible de reconnaître, boy. Alors, yé, on a vu sur Lingala. Alors, moi, si à Tongaka, c'est fou. C'est fou. Professeur Simikilosho, tout côté dans le thème de l'année Oyo, quel lectif faites-vous par rapport au thème de cette année à l'occasion de la journée des droits des femmes? C'est investir en faveur de la femme, accélérer les rythmes. Bon, il faut accélérer. On doit investir. Bon, moi je dirais que quand on investit en faveur de tous et en faveur des hommes et en faveur des femmes. Ça va? Par exemple, un père de famille peut investir. Il ne va pas investir seulement pour les garçons. Dire que non, mon héritage c'est pour les garçons. Ma maison c'est pour les garçons. Non, il investit pour tous. Et pour l'homme et pour la femme. S'il a trois héritages légués à la famille, il peut dire non, trois pour les garçons, trois pour les filles. Ça va? Et continuer à faire ça. Et puis, éduquer ça à nos gens, parce que les gens croient que ce sont seulement les garçons qui peuvent hériter, alors que les filles aussi sont là, ce sont des enfants légitimes, ce sont des enfants qui sont ayant droit à tout. Et investir en faveur des femmes, c'est aussi initier les femmes, les filles au projet de l'avenir, au projet même du présent, parce que les filles doivent contribuer au développement personnel, au développement de la société. Les filles ne doivent pas seulement croiser les bras et dire que non, moi je suis fille, que les hommes travaillent et on va partager ce que les hommes vont faire, ou bien nous sommes seulement la cousine. Non, la femme, la fille doit contribuer activement au développement de tout ce que l'on peut faire dans une famille, dans une société, dans une cité. Il ne faut pas discriminer, il ne faut pas. Et il faut aider les gens à montrer que, pardon, il faut aider les gens à comprendre que nous tous, nous avons un devoir de participer au développement de notre pays, de notre localité, de notre environnement. Et pas seulement dire que non, ça ressemble aux hommes, ça ressemble aux femmes. Ça ressemble aux filles, ça ressemble aux garçons. Non, nous tous, nous partageons le même espace et il faut que nous puissions tous voir comment tout un chacun peut contribuer à son développement. Pour vous, c'est un kilo chaud. Ils ont un cala, ils ont qui n'a pas famille, ils ont à côté à Bango Bazali, bah tu y a comment on appelle les mots m'échappent. Oyo, bah papa ndé, bah père sakamitune de ceux qui m'ont amoisé à Bali. Paternaliste. Donc, Isaac qui kala, na ba famille mususu, ce qui bobali moi si na famille. Aboti moi na liboso moi si, babi, hey, aboti ebisondumba. Azon aussi ami bale, hey, famille baby, ami sa tukutukolo bate. Est-ce que problème nous on a Isaac qui mingi?
na ba famille bazoko lingate ke mwana na bango neti ya liboso azala mwasi te fois en mobali pas a chef a famille pour moi si bako abako beli sa ye moi sa bébé sa ka famille moi si babi moi si za mupaya na ba tumsu ba kabi moi si so botami na famille asa ko mupaya po mu ko so bale a ke ina ina famille moko boy est ce que ba makamwane za za kala ke boti ba basu mwike na sali musala pour ne faut mibali bazala est ce que za ka za na sika eza na ina na mbo est ce que za za li ke faut toujours mwana za mukala na bala basi za est ce que ako sala pe fier ba raison exacte mais ils ont la culture na biso oui Congo ils ont plus et donc bata patriarca quoi oui tous ont plus de 450 tribus chaque tribu oui. A ses valeurs et puis chaque tribu a sa façon de voir une fille un garçon bon mais les raisons ne sont pas toujours fondées parce que une fille c'est un enfant de la famille. Un garçon, c'est un enfant de la famille. Alors, dire que d'abord, privilégier le garçon et défavoriser la fille, c'était illogique, mais dans ce pays, on a vu ça. Maintenant que nous voyons notre pays comme une nation, la RDC, si je dis que, allez, tu es ma sœur, si je te privilégie beaucoup, tu irais dans une autre famille, mais tu irais dans une famille congolaise. Ça va? Nous aussi, nous irons dans cette famille-là, amener une autre fille congolaise. Ça va? C'est comme si on fait l'échange. On change les pions qui étaient ici. Oui. On les met là, les pions qui étaient là. Et si ce pion-là était bien éduqué là-bas, vous allez voir que quand vous l'amenez en famille, le pion vous est très utile. Même chose, si notre fille est allée en mariage, on l'a donné un mariage, elle est partie, mais elle va nous mettre hein, des neveux, des nièces là-bas qui seront utiles à cette famille et qui vont revenir aussi chez nous. Parce que c'est un échange, c'est le mariage unit les familles. On ne peut pas dire quand elle est partie, hein, à qui n'a pas Moussous, à qui n'a pas famille Moussous, mais non, elle reste toujours attachée à la famille. Et entre temps, la famille ne reste pas même réduite. Parce que ici chez nous, nous avons des tribus qui font quoi? Quand on donne une fille en mariage, on récupère aussi une autre. Une autre. Ça va? Ce que la dot reste là pour une autre fille. Donc une autre femme. On sait qu'on a donné la fille en mariage et cet argent reste. Tous ces biens restent et on doit nous amener une autre. Donc, c'est une valeur symbolique pour perpétuer la famille, mais pour valoriser la femme. Parce qu'une femme, ce n'est pas une marchandise. Une famille, une femme, c'est un être très important de la famille. Et de là où elle est sortie, on doit aussi amener une autre qui va la remplacer. Et donc, une autre femme. Vous avez combien de filles? Oh. Moi j'ai une fille. Ah bon? Oui. Puis c'est un garçon. J'ai une fille. Là, les Chinois disent souvent que bon, on va voisin avec beaucoup de garçons là. Oui. Donc c'est ça ma cambo ezolo ba moboti basi mingi et sika mibali bazali babi ke non ba bébé si famille ce qui fait sika basi bazali ba moni moi si ya boti mibali bia wana bomenga ba voisin donc il pose ba mingo ba voisin mais non on va les ba ezala passer pour nangai oui ça va ezala moi si ezala mibali na ebike eza bomengo toujours ya biso c'est pas pour les voisins non c'est pas les voisins et puis d'ailleurs il faut au moins banani ba culture na biso tant que nous ne comprenons pas bien importance ou bien la valeur et la proverbe na ba maxime na ba malbanyo soit tout ça comme na culture ça va yeah. Et ce qui moninga bali c'est pela ouais abali nani abali nani abali moi na ngai abali moi toi dit que ce qui monte c'est abali. Il faut tout se payer là. Ceux qui abalent ici, il faut tout se payer là. Pour n'abaliser pas, on a besoin. Naturellement, on a besoin de savoir comment. Comment on peut savoir d'autres
babengaka mariage coutumier bo pesaka nini symbole nini on fait comment bon et pas biso dans la deux cultures oui ce qui eza bataba vena bataba eza ba nombre bataba eza nombre nani ya ya ba comment on appelle ça il y a des perles il y a des perles et puis petit perle petit oui na na ba chèvre bataba na ce qu'on appelle état major. État major c'est quoi? État major isa biloko ya maman hein, c'est-à-dire il faut biloko nyonso ya mère biloko nyonso ya papa et ande ba benga ke état major et c'est tout. Et puis biloko na maman na papa wana papa ko se pela na biloko na maman pe mais au bataba na ba perle wana etikali. Etikali wana za la wana pembeni. Oui. Pona toza na ba garçon ya famille et puis ngo ba ki ndete au bala na bongo wana. Oui, que le leçon moi na za licencié facture matière $5,000. Biso bino botara ni moi na licencié dessus. Etikali non non etikali na ba valeur ya bataba. Et oza la 10 tabas, et oza la 15 tabas selon ma famille. Ba pesa mbongo te enveloppe za te. Enveloppe wana za makambo ya sika mais la tradition eza bon, ça peut dépendre des familles et aussi des intérêts. Oui. Ou bien ceux qui ont moni moi na maman mujinga yen. Bazana bazana mbongo ebele to singa bango biloko boye na boye mais ba perle wana na taba, et bien que ce sont des basiques pour le mariage. Vraiment professeur Simikilosho mutu les alliés toyeba bana mboko ba pese makanisi qui est femme responsable. Femme nani ba benga femme responsable. Et puis singa selon Balader, femme responsable, c'est une femme mariée. Femme responsable selon les autres, femme responsable, moi sur Azape, Azaye Moukou, Mazo, mise en charge, Azape femme responsable. Vous, vous êtes professeur. Qui est femme responsable? Une femme responsable. Oui. C'est une femme qui n'est pas irresponsable. Comment ça, vous expliquez hein? C'est une femme qui n'est pas irresponsable. Je crois que c'est ça la réponse, c'est simple. C'est-à-dire, une femme responsable, c'est une femme très utile à la société. C'est une femme qui raisonne. C'est une femme qui entreprend. C'est une femme qui contribue efficacement au développement. Nous prenons d'abord de la famille, à son développement personnel. C'est une femme qui réfléchit sur l'avenir. C'est une femme qui peut aider les enfants d'autrui, le voisinage, à s'améliorer. C'est une femme qui intervient efficacement quand on a besoin d'elle, dans des petites préoccupations familiales, sociales. C'est une femme vraiment utile à la société. Donc, quand on a besoin de peut-être de nettoyer ou bien d'assainir l'environnement ou encore de réfléchir sur, sur le développement du quartier, c'est une femme qui peut vous donner des idées. Ça va? Si on dit, mais ne jetons pas de saleté, c'est une femme qui peut dire, non, non, non. Alors, les enfants, attention. Hein, vous êtes les enfants des voisins. Hein, vous ne devez pas salir, parce que si vous salissez, il y a telle conséquence, il y a telle chose qui peut nous arriver. Une femme responsable. Le contraire d'une femme irresponsable. Une femme irresponsable, c'est une femme qui permet tout, qui ferme les yeux même quand elle voit l'enfant du voisin hein, toucher le feu. Elle voit que non, un enfant joue avec le feu. Bon, elle dit mais ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon enfant. Tika zika, tango ko zika ko eba. Hein? L'enfant joue avec le couteau. Tika tango ko tango ko. A remis au kissa, à Simba Kotote, et une irresponsabilité. Une femme irresponsable voit les dangers et ferme les yeux sans lui dire rien. Une femme irresponsable, c'est une femme qui ne songe pas à l'avenir. C'est une femme qui ne voit pas d'ailleurs son importance dans la société, qui voit tout d'une façon légère. C'est le contraire d'une femme responsable. Une femme responsable, c'est que je suis ici. Nous étions à deux avec maman Mujinga.
Maman Boudjinga a laissé son sac ici parce qu'elle est allée quelque part. Donc, je dois prendre la responsabilité de ce sac. Je dois garder ce sac jusqu'à ce qu'elle va revenir. Elle est responsable. Et quand vous revenez, elle dit, ok, vous savez, vous avez oublié votre sac ici. Moi, je me suis dit, je ne peux pas partir avant votre retour parce que c'est votre sac. Alors, quand vous êtes là, voici votre... Ouais, la responsabilité. Ça va? Il est là, il y a un enfant qui tombe malade, peut-être pendant la journée, et puis la voisine n'est pas là, la mère de l'enfant, elle dit, mais non, 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 cet enfant est malade, tout ce que je peux faire, je l'amène d'abord à l'hôpital. C'est une responsabilité. Ça va? Bon, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme empoisonnement, tout ça, mais une femme responsable au village, c'est une femme qui vient, qui est là, elle vient du champ, elle prépare et elle appelle tous les enfants du quartier, venez manger avant que vos parents ne viennent, avant que vos mamans ne préparent, comme moi je préparais la première, venez manger, vous êtes mes enfants. Vous voyez la responsabilité au niveau du village. Ici en ville, on va dire non, elle va empoisonner les enfants, ou bien les enfants vont... vont prendre de réserve alors que c'est une femme responsable qui les invite. Ça va? Alors, la responsabilité peut se manifester à tous les niveaux. Il y a beaucoup de gestes qui montrent que cette femme-là est responsable. Ça va? Oui. Une femme responsable peut voir que non, telle qui buvait de l'eau a jeté une bouteille dans les caniveaux. Mais ça, c'est mauvais, ça. Elle prend la bouteille dans les caniveaux et elle le reprend, elle met dans la poubelle. Responsabilité. Ça va? Une femme responsable passe quelque part. Il y a un petit garçon, ou bien une petite fille qui tombe. Une femme responsable, ah, comment ça? Soulève l'enfant et... tu vas me dire à l'enfant, mais comment tu t'es blessé? Tu es bien, ça va? Une responsabilité. Alors qu'une femme responsable voit ça, l'enfant tombe et dit, ah, ben, en gros, ma tambo la capé, ma belle, nanzela. Bota la camarade, bota la ka. Et puis elle passe. Elle ne pose même pas une question à l'enfant, mais est-ce que tu as une blessure? Est-ce que tu as une fracture? Non. Donc, la responsabilité féminine peut se manifester à tous les niveaux. Et une femme responsable prend soin de sa maison, prend soin de son mari, prend soin de ses enfants. Elle sait bien que aujourd'hui nous devons manger ceci. Hier, on a mangé, je ne sais pas, de la viande. Aujourd'hui, le poisson. Demain, des légumes. Et puis, un autre jour, elle essaie de varier son régime alimentaire. Oui, oui, éviter des sortes de maladies aussi, des complications. Et essaie de prévoir que avec tels aliments, nous avons des calories. Avec tels aliments, nous avons... Il faut ajouter des fruits. C'est ça la responsabilité. Et quand elle va au marché, si elle a de l'argent, elle achète tout ça. Elle peut même forcer les enfants à dire, vous devez manger ça. Ça va? Allez, mangez, venez, mangez. Même si les enfants rechignent, ils disent, mangez, c'est très utile pour votre santé. Ouais, la responsabilité. Une femme responsable peut dire à son mari, tu as porté cette chemise hier, mais aujourd'hui encore, non. Il faut d'abord qu'on nettoie cette chemise. La responsabilité, ça va? Une femme responsable, c'est mon mari n'a pas mangé. Depuis le matin, il est là, son ordinateur, il est déjà 10 heures. Mais tonton, viens manger d'abord. Oh non, je termine mon travail. Non, 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 viens d'abord manger. Ça va? Et on voit, mais c'est une femme responsable. Ça va? Une femme responsable sait prévoir. Nous n'avons pas le sel, nous n'avons pas du sucre, il nous faut ça. Donc, et elle connaît, elle sait prévoir, elle sait prendre des précautions. Une femme intelligente qui sait prévoir, qui sait éviter les dangers, et pas seulement pour son intérêt personnel, et pour l'intérêt de sa famille, et pour l'intérêt de la communauté. Et elle est fait, on dirait d'une façon responsable. Responsable dans quel sens? C'est que elle n'attend pas qu'on lui dise « Ok, fais ceci, fais cela. » Non, elle-même, elle sait, elle est éduquée à ça et elle est fait avec une bonne conscience, tranquillement, sans une force quelconque.
Professeur Simgilosho, tu es un peu plus de temps, 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 tu es plusieurs domaines, bazali. Est-ce que basi musu batikali ba yaka pe ko tala ba magazine wezo la tia basi ba sala ba komo ba domaine mingi meme entrepreneuria ba domaine bebe po ba ngope ba zwa model wana ba koma ba ngope un jour ba sala komo se basi wana bazali ko ko cité keke basi bazali ba komo na ba livre ba sala kombo mon bazali hein bazali mon il y a combien de femmes mon il y a combien je ne saurais pas vous donner les nombres précis je ne saurais pas vous citer tous les noms parce qu'ils sont nombreux parce que oui ils sont nombreuses et si vous voulez bien, na beaucoup nettoyé, naza magazine moko. Et longo et longa. Oui oui, ni connais toi-même. Ouais ouais. Na munya bazana couche, pardon, une longue liste. Hein. Oui. Femme basio ba, ça là comment on entend que au moins na magazine ba ça là qui bien, bazoua qui liste basi na ba domaine. Si. Nettoyé ça les femmes de compassion. Donc des femmes généreuses. Oui. Bon, Batangi Neti, Maman Angela, Gutiérrez, Isa, Mimi Kawata, Marguerite de Clercq, on a Odile Marchand, Nanan Samba, Isa, Angèle Lestraette, Angélique Malaika, bon, Isa, presque 15 femmes au bâti na liste wana. Alors, ceux qui ont tourné page, ils ont abassé mon chouchou, Baza Awa. Alors, Bassi Ango, ils ont abassé Nani. Alors, Bassi Batlet, on était capitaine Adèle Kamanga Kassala, ils ont Kajan Chiman, on va venir à Petronel, ils ont maman mon chouchou. Petronel, il y a ça à Canina, mon bâtiment. Oui, Petronel. Petronel, bon, je ne sais pas. On dit ceci. C'est comme si la tanga qui, ah, je sais pour ça, il m'a dit que tanga, si, 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 ben, il y a études supérieures, parce que si on a un peu de oyo, bon, ça a l'habitude de tanga. Si on a beaucoup de fierté, fierté, en gros, que tanga, tanga, c'est comme si la moi, ah, je pousse un qui, à forcer à bander la zuie diplôme d'état, qu'est l'université à Silici. Un jour, à comme mon tion, bâtiment, pendant l'axe à basse, qui est non. Classe est en limite. Oui, namoni. Parce que si on a tanga tanga yango mingi magazine yo longo et longa. Vous avez raison, Balobi Petronel. Oui. A tanga ki après 36 ans. Ayo bandani ISP Gombe tangi ti azui licence na na ISP Gombe. Alors na liste mosusu au moins les femmes politiques na non. Awa bazana longue liste. Combien on cite quelques femmes politiques? Awa bazana moni comme Mangila Faïda, Nzuzi Wambombo, Justine Kasavubu, Namoni Adrienne Ekila, F. Bazaï Bapé Azao, Soki Fouani, Namoni Lukiana Mufouanisi, F. Bazaïba, oui. Mayu Makala, Baza, en tout cas, va combo et bélé. Bon, ils ont participé, parce qu'il y a un leader politique. Un était maman Antoinette, avec une modèle même non, là, t'as. Maman Olive Azawa, oui. Maman Bobila Dawa, oui. Antoinette Sassungesso, oui. Léonie Abo, Marie Moulou, moi aussi, il y a Lomumba Azawa, oui. Pauline Opango, Anne Gizenga, Anne Dukulu, alors moi aussi, Moïse Tchombe, Maman Sifa, alors ce sont quelques noms, et puis. Bah, c'est la musique, non, bah, Pongolo, c'est bah, Maman National. Bah, Maman National, bah, liste à Bangoupé, Isa Awa. Awa, tout le monde, bah, mandataire public. Ah, mon Isalé, Taza Couturière, Asala ouais. Isam. Ok. Donc, designer, mon aîné. Caroline, qui m'a exposé. Ah, dit bon. Isa, journal est bien, hein. Et reprendre, bah, ma communion soana, c'est-à-dire, tous ceux qui veulent voir. Avoir une idée sur les exploits de nos femmes congolaises dans le magazine. Profitez-moi bah, de la fin. Bah, ça, c'est ouais. Dans la régie. Que moi, je me suis dit que moi, je suis responsable avant professeur Simifilé Chakota, balader la population, je suis dit que je suis dit que je suis dit que mot de la fin. Bah, ça, c'est aussi dans la régie. Que oui, oui, mot de la fin. Toi, respecter la vision. Alors, tu as une librairie, un livre pour les grands lacs.
sepeli mingi na na basi tribi basi na biso, elles sont très importantes dans notre nation. Nous les invitons à la librairie baya kotanga ba batika la cuisine mingi mingi te baya kotanga ba buku eza ibele awa tuzana ba buku ezo lobela makambo mingi ezala ya basi ezala mibali ezala société na biso. Alors une femme responsable ozala pe mwasi oyo ya mayele mwasi ya bwanya mwasi oyo abo tanga ayebi que ce qui na mettre en pratique mater on a kuti na buku boye na we obongisa libasa nani libota na nga avenir ya bana na ngai et puis otala basi baninga na biso na Gabon baninga na biso na na Cameroun bazo sala boye basi ya ya ekolo boye bazo sala. Alors pourquoi pas chez nous? Ce sont des choses que les livres nous cachent et que les femmes peuvent facilement apprendre et mettre en pratique chez nous. Donc, on invite nos femmes, on invite nos filles, nos mamans, à venir régulièrement à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous avons beaucoup de livres et des livres qui touchent à tous les domaines de la vie. Même entrepreneuriat. Oui, entrepreneuriat. Bon, ici, vous avez les rayons des manuels scolaires. Vous avez les livres de droit, vous avez les livres d'économie, vous avez les livres de la médecine, vous avez des grands dictionnaires, vous avez en tout cas tous les livres, je dirais, de l'architecture, livres de géographie, histoire, politique, tout, 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 tout. Et ce n'est pas seulement les livres que les hommes doivent lire, ce sont des livres que nous tous, hommes, femmes, nous devons lire, comprendre et peut-être même mettre en application, ce qui est encore plus utile. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à Moron Zambé, merci à Bino Nzinga et toute l'équipe de la CCTV Ralik. Merci aussi à Professeur Simbilocho. Merci. Bonne suite de programme. Au revoir.